Je pense que oui, en mettant la volonté politique pour mettre en œuvre des outils tels que le schéma de cohérence territoriale, le plan local, le plan d'urbanisme intercommunal, pour porter une vraie politique de territoire, pour générer des continuités territoriales, notamment au niveau des trames bleues et vertes, et surtout porter aussi de la pédagogie dans une démarche très volontaire auprès des scolaires, puisque ce sont les scolaires d'aujourd'hui qui feront la société de demain, et la dimension environnementale est importante à considérer dès à présent, dans la mesure où on peut penser quand même que notre planète, et là je parlerai à l'échelle de la planète, est quelque peu malade pour demain.